Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous portez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du solotage de Kimbo avec le nouveau Fekka. Alors ça fait des années que je n'ai pas fait ce Mister Kimbo. Alors on va voir ce que je peux faire. Ça, on va juste invoquer pour l'instant. D'accord, le crit qui fait plaisir, qui sert strictement à rien. Ce serait bien que le casque cargo le tue directement. Eh ben non, il a pas l'air de vouloir le tuer. Si le bitou voulait bien taper le chauffeur. D'accord, l'arachné. Tout va bien. Tout va bien dans ce combat. Alors, moi je veux ça. Je veux que je réfléchisse. Voler de l'intel, ça pourrait être pas mal sur le casque cargo. On pourrait faire un petit glyphe enflammé. Et un léthargie. Ah, 700! Waouh, quand même! Ça rock ça. Bon, du coup, j'ai mis une strigide très classique. Comme ça, ça tape bien. Ça, c'est intéressant. Pas besoin de plus, hein, vraiment. Du coup, le mode feu tape bien. Je vais essayer de faire le Kimbo en terre haut. On va voir ce que ça donne. Je l'ai fait donc juste avant, mais je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un bug au niveau des glyphes. C'était un petit peu bizarre. C'est pas grave, hein, rien de grave vraiment. Du coup, alors, on est parti. Le Kim qui lui reste tranquille. Le chauffeur lui est toujours en vie. Alors, ah oui, c'est vrai. Il y a possibilité. Ouais, nickel. Donc, quand vous pouvez mettre les monstres adverses dans les glyphes du casse-cargo, n'hésitez pas à le faire. Là, par exemple, en l'occurrence, je peux me le permettre. Et en plus, ça permet d'activer les deux glyphes. Ce qui permet de faire des gros dégâts. On va faire peut-être du vol l'intel. Et on va aller se mettre ici. Ah ok, d'accord. Bon, il a pas voulu le dernier jet, dommage. Donc là, normalement, le casque cargo devrait quasiment être mort. 545, c'est plutôt violent. Je sais pas trop comment on va faire, du coup, si je mets un glyphe ou pas. Oula, mais là, il se colle à moi, en l'occurrence. Le bitouf meurt sous le glyphe du Kimbo. Donc là vous avez vu qu'il a pris tarif. Plutôt sympa du coup. Alors on va faire pas de crit. On va voir si avec cette attaque naturelle. Pas de crit non plus. Et là est-ce que je suis sûr. Oh putain, je peux le tuer. À la limite, ce que je peux faire, c'est que si jamais ça passe pas, je peux faire une mise en garde. Là je suis sûr que ça passe dans tous les cas. Boum! Voilà, là il se fait défoncer. Ma cavotte est toujours full vie. On va y aller. Tac. Mais je suis un peu trop court. Je peux faire des petites bulles sur mon chauffeur. Faut que je le tue, hein, le chauffeur. Il est relou. Sinon, il me manque un de PO. Alors. Il le soigne. What the fuck? Il le tape pour le soigner. Sympa comme monstre. Je vais m'approcher. Est-ce qu'il va me manquer un? Non, c'est bon. Allez, un crit. Toujours pas de crit. What the fuck? Ok, il a une chance. Mais écoutez, on va attendre que ça soit plus une chance. On sait bien, au moins il tape un petit peu la bracleur. Moi, je peux le taper. En l'occurrence, l'idée, c'est vraiment... est-ce que je peux m'avancer un peu? Oui, sans problème. Faut faire attention. J'ai pas trop envie de me faire rusher par le Kim. Même s'il a l'air plutôt tranquille dans son coin. 149, il devrait le tuer, je pense. Il devrait le finir, je pense, la bracleur. What the fuck, il finit pas. Là, on va laisser finir au prochain tour. Nous, on va se heal tranquillement. Tac. Pas hésiter à se heal. Voilà, on va laisser taper un coup de plus. La bracleur devrait le finir. Il va s'approcher. What the fuck? Il s'en va loin. Il s'en va. On va laisser s'approcher, hein, tranquillement. On est tranquille, on risque rien. Alors, autant rester au fond. Pas de problème pour le solotage, ça ralentit rien. Tac, on va le laisser encore une fois s'approcher. Pour l'instant, on gère le tchal. Alors, les tchals même, je pense que c'est faisable largement. Alors, je vais regarder juste après ce que c'est. Main propre et deux pour le prix d'un. Bah oui, vu qu'on fait main propre... Ça marche pour deux pour le prix d'un. Je pense qu'on peut sans problème le faire. Et tuer le Kim avec un Doppel sur la fin. Ouais, il y a moyen.
517, du coup, glyphe, et c'est terminé. Hop, voilà. On va s'approcher, hein. Donc là, on rentre, on ressort. Alors, que je réfléchisse un petit peu comment on va faire. Ce qui va venir, là, du coup. Je pense pas qu'il va me rusher encore. Il reste dans son petit monde. On reste ici. Ok, du coup, là, on est dans une situation... On veut se mettre ici. On peut faire ça. Ça. Donc, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Et là, si on fait... 1, 1, 1, 1. Ok. C'est bon, nickel. Allez, on est parti. C'est parti, le Kimbo. Mets-moi tes glyphes dégueulasses. C'est parti, attention. Voilà. On est bien. Du coup, faut penser, évidemment. On continue à le taper haut. Par contre, là, j'ai un petit peu peur de me faire pousser dans tous les sens. On va rester sur ces glyphes. Tac, est-ce qu'il vient me rusher? Ouais, bon, ça, si je peux rester toujours au même endroit. Voilà, là, il n'y aura pas de soucis maintenant. Tac. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Kimbo, en fait, ça fonctionne en fonction des éléments. Ça fonctionne en fonction. Parfait. Parfait, Pierre. Ça fonctionne en fonction des éléments. Donc, vous avez la possibilité de taper terre, eau ou air, feu. Et en fait, quand vous êtes à plusieurs, en fait, le Kimbo. Alors, du coup, bah là. Y a pas de souci. Alors attendez, je vais pouvoir le taper. Et voilà, c'est nickel. On peut continuer à le frapper bien terre. Mange-toi ça. Donc là, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je peux me faire pousser dans tous les sens, y a pas de souci. Ce qu'il faut faire très attention avec le Kimbo, c'est qu'il faut surtout pas finir sur un glyphe. Alors attendez, juste que je regarde un truc. Alors on va faire ça. On va te taper là. Vraiment avec aucun respect. On va lui voler. Allez, crit là! Oh non, mais c'est tellement sale de pas faire de crit. Alors, ce qu'il faut faire avec attention avec le Kimbo, c'est que il faut finir donc sur des glyphes impair et pair selon l'élément. Mais il faut savoir que le Kimbo pousse de deux cases. Donc, si vous êtes à une case d'un mur comme là par exemple, et qu'il me pousse de ce côté là, enfin là en l'occurrence ça marche pas, enfin ça marche, mais s'il pousse d'un côté où il n'y a qu'une case et que si ça vous fait atterrir sur une case qui est différente, par exemple si j'étais allé sur celle-ci derrière. Là, juste en diagonale de la mienne, et que vous avez... Je vais vous la montrer. Si j'avais été sur cette case et qu'il m'avait poussé contre le mur, bah, je serais mort. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Donc là, il continue à être sur le glyphe, donc je peux continuer à le roxer très 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 bien. Pour moi, c'est hyper intéressant, et je peux même continuer à rester sur des glyphes. Donc là, vous voyez, il y a bien deux cases à droite, deux cases à gauche, enfin, etc. Deux cases devant, derrière. Donc ça veut dire que je ne risque rien, il peut continuer à me rusher. Et il peut continuer à me pousser. Voilà, vous voyez. Là, il me colle contre le mur, mais il n'y a pas de souci. Encore une fois. Donc là, bah, je vais y aller. On va y aller. Et on peut même rester à cet endroit-là. Il n'y a aucun souci. On va même faire double bulle. On est safe, là, pour l'instant. On s'en sort très bien. Je pourrais aller me replacer sur un glyphe. Non, je suis très bien ici. Il faut faire vraiment attention qu'il ne pousse pas dans le vide. Là, vous... quand vous êtes contre un mur, vous risquez rien. Parce que vous ne pouvez pas vous faire pousser plus loin. Mais voilà. Donc là, c'est bon. On est tranquille. Voilà, il vous pousse contre le mur, mais il n'y a aucun souci. Et là, peut-être que je pourrais le finir. Pas de crit, donc non, ce ne sera pas bon. Ah, à moins que... Et voilà, je le finis. Ouh. Et ben, bon ben voilà, c'est fini. En 23 tours, du coup, je sais pas comment marche le... Ah oui, le tchal. Faut que je fasse attention. Je vais pas le finir maintenant, du coup. Ah! J'ai plus de sort qui tape vraiment. Est-ce que ça marche si je fais un glyph haut? Allez, on joue. On tente. On tente le diable. Attention. Yes, ça marche. Wouhou! Double tchal. Allez là. Bon bah le Kimbo avec un double tchal. Plutôt sympa. Non, je suis content. Ça fait 65% et 65%. Bon, c'était plutôt sympa. Ça rajoute, on va dire, un petit challenge de plus, mais qui, globalement, n'était pas hyper compliqué. Bon, j'espère que ce petit solotage vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye!